Hey à tout le monde, c'est Dior pour un nouvel épisode de Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Fille s'appelant Paula Viatosen. Ma mère dirige une école maternelle. Je me souviens pas du nom de cette institut, mais à ce qui paraît, Paula est très spéciale. Pourquoi? J'ai oublié de demander. Pour un nouvel épisode de Hearthstone. Hearthbound. Aussi appelé Mother 2. Et je sais pas pourquoi. Voyons, je suis pogné là. J'ai découvert que le dernier boss qu'on a affronté redonne de l'énergie gratuitement. Donc, c'est une autre façon de se soigner à part la mer. Et la porte est fermée à clé. Ok, comment je fais pour utiliser ma clé? Parce que j'ai bien la clé. J'ai bien la clé. Clé du refuge. Porte s'ouvre. Et mécanique. Et oui, c'est la première fois que je joue à Earthbound. Et j'ai du fun, c'est le fun! Mais oui, il y a certaines mécaniques qui sont quand même assez vieilles. Mais surtout aussi le fait que ça prend beaucoup de temps à augmenter de niveau. Depuis, les jeux sont plus... Ils pardonnent plus. Hey, toi, tu m'affrontes, hein? Ouais, vas-y! Souris au nez rouge. Les ennemis doivent être... Wow, souris errante est belle. Ow, 3! Là, ça m'a rien fait. Ow, là, ça m'a fait de quoi? 69? Badaboum! Ow, ma petite tabarouette! Tain! Tu? Oh, yes, enfin un niveau. Onde de 7, yeah, enfin. Maximum de points de vie. Bon, c'est l'attaque psychique que je voulais faire l'autre fois contre le boss, mais bon, c'est pas grave. C'est quoi ça? T'as quoi? Oh! Limace d'assaut. Qu'est-ce? Quoi? Je suis même pas capable de les frapper! Il essaie même de m'hypnotiser. What? Wow, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, elle s'est faite calmer, mais pendant ce temps-là, les autres... Ow! J'arrive pas à croire que j'ai été obligé de prendre mon hamburger pour ça. Concentré. Mais c'est quoi leur problème? Pourquoi ils nous foutent ça? Des limaces? Ils sont en train de me ramasser bien raide. Ouch! Ça m'a pris un hamburger. Ok, ça m'a beaucoup donné d'expérience, mais... Colin, man! Dude! Malade mental. Voilà, ok, d'abord... Je skip. Ok. Ça sonne bizarre ici. Est-ce que je devrais monter ou peut-être juste explorer un petit peu avant? Oh non. Oh non. Eh oui. Oh, puis deux en plus. Des quoi? Excuse, mais quoi? Des fourmis? Ouais, ok. Appel à l'aide. Oh non. Ouch! Ok, Few. Tu l'as! Non, personne va venir t'aider. Petite tabarouette. Faites-moi monter de niveau, s'il vous plaît. Ça donne beaucoup d'expérience, en tout cas. Oh! Oh, génial, je suis venu ici pour absolument rien. Cool. Cool. Ok, non. Juste non. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je me soigne? C'est déjà trop tard. Ok, je me soigne. Pas trop le choix parce que là j'avais vraiment plus d'énergie. C'est un peu pathétique parce que j'ai l'impression que c'est juste des combats de même.
contre des mini-bébites qui sont capables de m'assassiner d'une shot. Oh non, pas encore. Je crois que c'était juste une bad luck l'autre fois parce que là, j'étais capable de les attaquer. Est-ce que je dois explorer? J'ai un doute sur le fait que je dois explorer. Oh my god. Ok, on les affronte. Qu'est-ce que tu fais? Hey. Laisse ouvre le paquet. Il y a un grog à l'intérieur. Est-ce que c'est grog dans le sens de l'alcool de Monkey Island ou c'est de la. C'est de la. De l'alcool de. Pour jeunes? Je sais pas trop. Ah, génial. Yay, montée de niveau! Niveau 9. J'ai toujours pas essayé l'espèce d'attaque spéciale. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Non. Oh, de dos en plus. Puis de face. Oh, ça va faire mal. Oh my god. Faut que je m'enfuis. Ok. J'aime pas cette caverne. Heureusement, j'en suis sorti. Ok. Et ça, ça a l'air de retourner dans la caverne. Je suis sadomasochiste, donc. Oh. Une bébite. On est capable. J'ai rien fait. Je touche à rien. C'est bien. Oh, un hamburger, yes. Le chemin dur a l'air d'être. Tu l'as. Yes. J'aime quand ça fait ça. Ça donne beaucoup d'expérience quand même, juste de même aussi. Allez, encore. Yes! J'ai l'impression de skipper beaucoup de choses. Bon, tant pis, je pense que je vais monter. Par contre, je me demande si je suis... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, enfin! C'est votre premier sanctuaire. Oh! Mais il est désormais à moi! Venez me le prendre si vous l'osez. Ça sonne. Fourmi titanesque! Oh, puis il y a une petite avec lui. Je peux faire ça? Il commence à mordre. Et ça fait vraiment super mal. Tain! Oh! Ça attaque tout le monde. Ok, il y a d'autres fourmis derrière. Moi, j'espère que ça va faire en sorte qu'elles attaqueront. Qu'elles appelleront pas d'autres fourmis. Ouch! My god! Même... Ça... J'ai survécu! Comment j'ai fait pour survivre à ça? Et puis A? Ah non... Ça aurait pas autant d'être... Non, ça a de l'effet. Yes! Trois attaques psychiques. Hey! J'espère que je monte de niveau, merci! C'est génial comment j'ai fait pour survivre à ça. Ok. Ok, c'est bien. Devrait pas avoir d'autres boss, là, chez... Wow, ça c'est une empreinte vraiment grosse. C'était quoi ce truc? Ok. Aperçois un petit chiot mignon et fragile. La pierre d'écho de Ness capture la mélodie du pas de géant. C'est... Ouais, il n'y a rien ici, à part... Qu'est-ce que je fais? J'entends un chiot? Qu'est-ce qu'il veut dire par la pierre d'écho? Son foin il rassemble ses esprits. Est-ce que ça me permet de me téléporter où je veux, c'est ça? Je comprends rien. Non, j'imagine qu'il faut que je redescende, mais ça ne dit pas plus où ce que je dois aller. À moins que la police ne soit plus là avec leur barricade. C'est pas un jeu qui te tienne vraiment par la main. Il faut vraiment savoir... Oh!
Les bébés ont peur de moi. Ouh, j'ai tué votre chef. Ok, j'irai pas par là. Finalement, il y avait vraiment rien. Ok, on retourne en ville, j'imagine. Ça, c'est l'endroit que j'avais pas récupéré le cadeau. Hey, un sandwich. Yay. Oh. Et toi, sur le panneau, c'est écrit défense d'entrée. C'est pas lire. Non. T'as juste eu la flemme de lire le panneau, pas vrai, gamin? Allez, ramène tes fesses au poste de police. Et si je veux pas? Ok, je vais y aller, j'imagine c'est ça qu'ils veulent que je fasse. Ouah, tu as ouvert la porte! Bien, voici une babiole qui te portera chance, c'est un gris-gris. Hein? Elle s'obtient le gris-gris. C'est comme un... Je me rappelle d'un... C'est un truc français, ce gris-gris, non? Vous devez équiper ceci sur votre corps pour protéger des attaques paralysantes. Et je sais pas pourquoi, d'ailleurs, ils veulent que j'aille là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Allô? Ah, le voilà! C'est toi le petit garnement qui revient du pas de géant. Alors écoute-moi bien, défense d'entrée, ça veut dire que tu ne dois pas entrer! Compris? Et de plus, blablabla, blablabla, bla, bla. D'habitude, ce sont les évadés qui fiscaux qui blablabla, blablabla, bla, ça ne nous amuse pas de passer notre temps à bloquer des routes, tu sais? Blablabla, blablabla, bla. D'habitude, ce sont les pleurnichards ici qui passent leur temps à se plaindre. Blablabla, 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 blablabla. C'est tout. Pourquoi le passage vers Twanson est bloqué? C'est à cause d'une urgence, bien sûr. Dans les temps qui courent, les enfants comme toi devraient plutôt jouer à la NES. Sinon, tu veux vraiment aller à Twanson? Oui. D'accord. Dis-moi. Et c'est ainsi du même genre. Qu'est-ce qui... Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Voyons si tu peux battre 5 de mes... Wow, what? En même temps? Hiya! La crevette! Pourquoi tu trembles? T'as froid? Attends, faut que je te montre que je suis fort en battant tes policiers? Ow! Tu fais mal! Reviens normal. Ok. T'es solide, petit. Tu devrais rejoindre les forces police. Oh, et ainsi de suite. Oh my god. La plupart de nos possibles sont plus forts que Superman. Quoi? Oh, tu m'as battu. Oh my god. C'est vraiment tough. Ne laisse pas les compliments du maire te monter à la tête. Ramène-toi, gros là. Wow, wow, je suis pas gros. Un jour, je prendrai ma revanche. La prochaine fois, tu goûteras mon super suplex nucléaire. Ok. Allez, viens, je vais te démonter ici et maintenant, gamin. Je suis un enfant! Dans un sens, ça me fait un peu penser à Pokémon aussi, mais... Juste un peu. J'ai perdu! C'est ça, garçon. Oublie-moi, je vais demander l'aide du chef. Quoi? Oh. Je n'ai aucune chance de te battre sans tricher, alors... Prépare-toi pour mon super méga mambo tango foxtrot art martial. Et ça, c'est ce qu'on appelle tricher? Le commissaire. C'est quoi, commissaire? Je pense que j'essaierai même pas des actes attenamment. Hein? 112. Encore. Parce que je le vaux bien. Passe au sang-froid. Viens-tu me faire une attaque de 1? Mais il est quand même résistant. Il augmente ses attaques de 1. Come on. Bon. 105 de dommages. Yay! Niveau! Attaque monte de 2 et ainsi de suite. Je ne pensais pas que tu t'en sortirais si bien contre la toute-puissante brigade d'Honnête. Tu veux que j'annule le barrage vers Thompson? Attends une seconde, je donne l'ordre à mes hommes. Bibi, clic, clic, ici la cogne, vous m'entendez? Hé, hey, c'est moi le commissaire, la cogne. On est... Oh, ok, écoutez, un enfant s'appelant Ness arrivera dans quelques minutes. Oui, un enfant avec une casquette rouge. Laissez-le aller à Thompson. Je sais. Je sais! Ne
Demandez pas pourquoi, faites-le. C'est un ordre. La cogne terminée. La cogne. Bon, petit, je ne vais pas te questionner, mais j'aimerais bien te revoir. Bonne chance. C'est un moment assez étrange. Et il faudrait peut-être que j'aille me soigner avant d'aller à Twanson. Salut, c'est papa. Ça fait un moment que tu es parti. Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais tu ne penses pas que ça serait bien de faire une pause? Non. Ah bon, d'accord. Même si je ne suis pas d'accord, je comprends. Le destin du monde repose sur tes épaules et tout ça, mais ne force pas trop, d'accord? Bip! J'ai un portable? Il me semble que c'était par là, non? Ah ouais. Hey, c'est toi, Ness! Viens, j'ai eu l'autorisation du commissaire Lacogne de te faire passer. Attention à toi! T'en sors bien, continue comme ça. Le plan de la ville peut être consulté à la bibliothèque. Tu peux aussi l'utiliser à Twanson, c'est vraiment pratique. Tu le dis? Ok, c'est juste un petit chemin. Les bébés t'ont encore peur de moi? Ouh! Y'a quoi ici? Mène mon fils avec vous. Même s'il ne ressemble qu'à une banale petite souris, il est capable de venir à bout de n'importe quel labyrinthe. Ok, portez trop de choses, vous ne pouvez pas emmener mon fils. C'est un objet? Je me suis permis de squatter chez les souris. Quoi? Surtout, ce n'est que justice, les souris sont des souris de sortie. Elles sont vraiment gentilles, mon gars, elles sont vraiment rapides. J'adore vraiment ces bestioles. Ah, c'est comme une espèce de escape rope. Comme dans Pokémon. D'accord. Hey! Est-ce que vous le paquet? Il y a un burger à l'intérieur, mais il est déjà trop. Il y a déjà trop d'affaires. Trop d'objets. Bon, je vais me rappeler qu'il y a un burger, là. Sinon... Oh non! Oh non, je me suis retourné. Ah, la manette gambadeuse effectue des trucs. Ouch! C'est ça à cause que je me suis retourné par erreur. Comment ça, je rate mon coup? Il est en train de me ramasser toute mon énergie. Ouais, ouais, c'est ça. Sauce tomate. Pourquoi pas, qu'est-ce que je pourrais jeter? C'est comme dans. Peut-être que le grog. Peut-être la sandwich est trop. Mais j'ai pas regardé avant si ça donnait beaucoup d'expérience ou non. Bon. Je sais pas trop ce que ça fait, mais j'ai un champignon au-dessus de la tête. Ça veut-tu dire que je suis empoisonné? Oh. Yay! Je ne suis pas ton ennemi, je suis juste une taupe chaleureuse. Je vais te dire comment distinguer tes amis de tes ennemis. Tu peux reconnaître tes ennemis d'un coup d'œil. Il suffit d'être attentif. Ils ressemblent à des humains avec une tête drôlement colorée. Attention à eux. Cependant, tu ne progresses pas si tu évites tous les ennemis. Effectivement. Si je ramasse ça... Papillon magique rend Ness détendu. Oh, goody! Voyons, je peux pas entrer là. Ah! Ah! Oh my god! Encore ces bébites-là. J'ai une technique qui s'appelle bouclier A. Oh, attends! Mes contrôles sont tous bizarres. Sais-tu mon mapping qui est encore tout bizarre, c'est le fait que j'ai un champignon sur la tête? Mais weird! Est-ce que je peux parler à cette fille? Elle est venue dans notre ville. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur toi. Oui, oui. Poisson dispose d'un hôtel moderne et propre, d'un hôpital et d'un superbe café-théâtre. Il y a aussi l'école maternelle Polestar et une belle station de bus. Si vous êtes curieux, vous voudrez peut-être visiter le parc Rapine. C'est palpitant. À l'est de la ville, vous trouverez la vallée du dernier repos. Avec un nom de même, j'imagine que c'est l'endroit que je dois aller. De l'autre côté de cette vallée se situe le village Ravibea. En plus, il y a une pizzeria. Waouh! Vous avez d'autres questions? En fait, je ne sais rien de plus. C'est ta ville, puis tu sais rien de plus. Non, sérieusement, est-ce que c'est le mapping? C'est bizarre. Non, c'est vraiment le fait que j'ai un champignon sur la tête. Est-ce que quelqu'un peut m'enlever ça? Les contrôles sont inversés. Oh my god! Mes contrôles sont inversés! C'est infernal! Est-ce que vous pouvez m'enlever ça? Je
Vous êtes la bienvenue au grand hôtel de Tarzan. La nuit vous coûtera 50 pieds. Vous êtes malade? Non! Non, j'essaie. Monsieur, vous devez avoir les moyens d'un prince pour rester dans un hôtel de notre catégorie. N'ayons pas peur des mots. Ouais. Ouais. Ok. Mais un hôpital alors? Oh, toi! Photographie automatique! Je suis un génie de la photographie, encore je suis modeste. Regardez l'appareil, c'est bon? Dites, cornichon crépu! Ah, le champignon était parti! Waouh, elle est superbe, elle te rappellera cet instant à jamais. Ça sert! Dis-moi que ça sert au moins à quelque chose. Je suis tanné, tout est inversé. Comment je fais pour me... Sale champignon! Voici le magasin de vélo acupuncture! Le vélo, c'est tellement cool et c'est pratique. On va plus vite qu'à pied, c'est sûr, tu vas faire plus furet avec les cyclistes. T'en veux un? Malheureusement, on n'a plus de vélo à vendre, mais je peux t'en louer un. Ça te dit? Ouais. J'aime ta franchise. C'est quoi? Je vais te laisser en emprunter un gratos. Oh! Transporte trop de choses, reviens. Où je sais, t'es pressé de l'avoir. Fais pas, fais de la place. Colin. Non, 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 ok. Y a-tu un hôpital ici? Oui. Mon dieu. En haut à droite. Oui, courage, il faut que... Oh my... Help! Je suis plus capable d'aller à gauche. J'ai pas de piton pour aller à gauche. C'est pire. C'est pire. C'est pire. Tu es un peu bleu. Oh my god. Vous rencontrez un vieil... Quoi? Vieil... Hein? Quoi? Ah. Incroyable. Râle à propos de quoi? Ow! Ça fait super mal. Redeviens normal. C'est quoi, ces personnes-là étaient pas normales? Oh my god. Je suis un peu tanné que... Mikos... Mikoseux. Mikouf. Ah! 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 Mes contrôles sont corrects! Un petit combat puis tout va bien, mais j'aimerais quand même l'enlever de ma tête, sérieusement. Enlevez-moi ça! Enlevez-moi ça! J'ai un peu de temps devant moi. Voulez-vous que je vous explique le fonctionnement? Oui. Un de vos amis étant inconscient, venez tout de suite à l'hôpital. Tant que vous pouvez payer le médecin, vous verrez vos amis sur pied en un temps record. Le fait d'être quand vous vous sentez mal, venez parler à un médecin. Évidemment, tous les hôpitaux en feront de même. Cool. T'es qui, toi? Même si tu ne me crois pas, je suis un guérisseur. Si tu attrapes une maladie qui ne peut être guérie à l'hôpital, c'est à moi qu'il faut s'adresser. Regardez-moi ça, tu pourrais me vendre le champignon que tu as sur le crâne? Oui! Oui! Je te fais une offre. Oui, prends-le. Merci, je te donne 5. De chaque champignon? Wow, j'ai trouvé de quoi te cacher. Sinon, vous avez besoin d'aide. Non, 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 c'était vraiment juste ça. Quand vous en aurez besoin. Oh my god, ça fait du bien. Yes. Yes. Ok. Je cherchais pas une fille qui s'appelle Paula. Théâtre Chaos. Qui est ici. Allô? Si j'avais du piston, je pourrais rentrer, mais je ne suis qu'un quid, qu'un quidam. Parlez-toi à la française. J'adore faire les queues. J'aime aussi beaucoup les mots commençant par un Q. Quinquagénaire, quiétude, quintessence. Je fais la queue. Je voudrais un billet pour le spectacle de demain, mais ce n'est pas dit que j'en ai un. Runaway 5? C'est comme les Blues Brothers? C'est quoi? Nous sommes les véritables Runaway Five. Nous sommes célèbres, mais pas vraiment riches. On s'est fait avoir par le propriétaire de ce café-théâtre et maintenant, on est vraiment dans la mouise. Non. On est peut-être célèbre, mais tout le monde a envie de ne parler que de cette fille de l'école maternelle. J'aimerais bien la rencontrer, un de ces quatre. Ok. J'imagine que c'est elle qui est importante. Je crois que j'ai perdu mon billet. Du coup, je ne vais pas pouvoir entrer.
Et en plus, il y a un concert à guichet fermé. Oh. Veuillez présenter votre billet. J'en ai pas. C'est comme les Blues Brothers, c'est ça? C'est pas dit. Vous voulez voir Monsieur Malmené, le gérant? Veuillez emprunter cette porte. Ok. Why not? Les Runaway Fab me doivent beaucoup d'argent. Ils resteront là tant qu'ils ne m'auront pas payé. Ça se pourrait qu'ils restent ici un siècle, sauf si tu veux payer leurs dettes. C'est quoi leurs dettes? Ah, tu me le dis. Ok. Fait que dans le fond, il y a une façon de les enlever de là, puis ça serait de payer leurs dettes. Où c'est qu'ils ont été chercher toutes ces idées? Yo, j'ai... Ok, ouais, tu vas me dire la même chose. Donc, à quelque part ici, il y a une école... Attends, il y a une école maternelle. Faut juste que je la trouve. Parc Piapin. Est-ce que c'est tout du monde méchant? Non? Je t'ai pas déjà vu à quelque part, toi. Everdread, c'est le big boss du parc Rapin. On raconte qu'il a des liens avec tout ce qui est en enlèvement ou en cambriolage dans le coin. Vous le reconnaîtrez facilement, il a une mine patibulaire. Lui, ou lui, sur le toit, ou lui, encore avec son masque bizarre. Est-ce que tu vends des pancartes à rest-stop? Attends un petit peu. Quoi? Je suis propriétaire d'une boutique d'antiquité. Personne ne vient ni achète ni vend. Je pense même vendre ce panneau à vendre. Je vais le faire à 99, vous me l'achetez? Non! J'espère que vous allez le regretter. Ah, je parie que non. Peut-être que c'est un secret. Ah non. Non, 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 non. Pourquoi t'es possédé? Pourquoi t'es bleu? J'ai pas le temps de niaiser avec toi. Je cherche la maternelle. Je crois. Clément. Je suis dingue de cet enfant, l'inventeur. Non, parce que t'as Claude qui n'a rien dans le crâne. Je parle du grand, du beau, du magnifique Clément. Allons voir Clément alors. Ou Claude? Allô Clément, bienvenue. Moi c'est Clément l'inventeur. T'as entendu parler de moi? Oui, ma réputation compte beaucoup. J'ai beaucoup de boulot en cours, mais je ne roule pas sur l'or. Ça ne m'inquiète pas plus que ça, j'ai toujours eu de la chance. Tu sais, je travaille sur cette machine qui pourrait vraiment t'aider à la vallée du dernier repos. C'est pour ça que je crois que c'est vraiment là que je dois aller. Je pense que ça sera bientôt prêt. Pardon? Tu vas aider à la financer le projet? Non. Je crois que j'ai été trop optimiste. Ok, laisse tomber. Financer vraiment? C'est le fun d'avoir de l'argent, mais l'argent de poche de mon père arrive pas assez vite. Bon, t'as Claude. T'as une maison quelconque. Mais où est la maternelle? Et pourquoi je cherche une façon d'aller? Vous allez encore m'empêcher de continuer jusqu'à Trid, c'est ça? Oh, ça va là que non. C'est loin en tabarouette, par exemple. Okay, je crois qu'il faut pas que j'aille par là. Sur ma map, il y a une pancarte jaune ici. Station de bus. Oh, si tu pourrais aller plus vite. Si vous allez à l'est, vous allez au-devant de quelques problèmes. La vallée du dernier repos et le village Ravi Béa vous attendent. J'ai entendu dire qu'il y avait des ovnis dans la vallée. Ah. Les habitants du village Ravi Béa sont des véritables fanatiques quand il s'agit de leur étrange religion. Peut-être ont-ils attrapé un genre de fièvre, quoi qu'il en soit, prudence. Donne pas le goût d'y aller. Maternelle est où? C'est ça? Polestar. Ça ressemble à une maternelle. J'aurais adoré jouer avec Paula, mais elle est pas là. Ah, ben là. Quand je serai grande, je veux être exactement comme Paula. Mais voyons. Paula est comme une mère pour moi. Tu n'es peut-être pas capable de comprendre ce genre de choses. J'ai peut-être une tête d'ange, m'arrêter, je suis très mature. Je te demande pardon. Chanter, siffler, fredonner, ça me met toujours de bonne humeur. Je suis la maman de Paula. M'occuper de ses gamins me prend un temps fou. Tu ne devrais pas tant t'inquiéter pour Paula. Dieu est avec elle. Hein? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tu veux voir Paula. Beaucoup de gens viennent voir ses pouvoirs magiques. Oh. Ces gens-là sont des sensus. T'es de la télé ou quelque chose comme ça? Non. Seule Paula peut décider de te rencontrer ou non. Tu sais que l'unique personne qu'elle veut voir, c'est un certain Ness. C'est moi! Alors c'est toi, Ness! Paula a rêvé de toi. Elle dit que tu vas sauver le monde. Je vais l'appeler.
C'était plus simple que j'aurais pensé. Ok. Paula n'a pas l'air d'être là. Où est-elle allée? Désolé, tu peux revenir plus tard? Non. J'ai fait tout ce chemin-là pour la rencontrer, puis... Oh, cool. Elle s'ouvre le paquet. Il y a un nounours à l'intérieur, mais il a déjà trop d'apparence. D'affaires. Ah! Ok, je vais jeter des trucs. Ok. Un nounours. À quoi ça sert? Nounours, une peluche toute mignonne. Mais encore, est-ce que je peux dormir? Je peux pas dormir dans aucun lit. Sympathique, je serais pas obligé d'aller à l'hôtel. Ok, d'abord. Dans le fond, où est-elle passée maintenant? Encore désolé, tu peux revenir plus tard? Dans le fond, faudrait que je trouve... façon de savoir où est-ce qu'elle est. Voyons, pourquoi elle a reculé? Chanter, ok, blablabla. Bla, bla. Rien de nouveau. Hein? Paula n'est pas là. Elle a soudainement disparu. Je ne sais pas où elle est passée. Ok. C'est encore la même chose qu'elle dit. Ce plouc-là me demande toujours quelque chose à manger. C'est lui l'inventeur. Il devrait se créer lui-même ses aliments. C'est pas de même que ça marche, fille. Ok. Oh, 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 hey. You! Je l'ai vu! Il était là! Come on! Il était ici! Non? Bien sûr, Everdred n'est pas vraiment un type recommandable, mais il est plutôt sympathique pour un parrain du crime. J'imagine que c'est un plus. Ah zut, je me suis approché trop. Croisons le fer, discutons ensuite. Everdred, oh non, mon énergie est pas à fond. Ok, j'ai beaucoup de trucs. Je peux peut-être l'hypnotiser. Essayer de l'hypnotiser. Oh, good. Fait que ça c'est fait. Star, j'y envoie tout ce que j'ai parce que je veux pas mourir. De sommeil. Ok, je pensais qu'il était bouffe mort. Bang, bang! Je vais pas m'approcher de ce gars-là. Allez. Wow, il se réveille déjà? Ok, reviens normal. Les animaux se calment, les humains redeviennent normal. Oh, yeah! Augmente de 3, yes. C'est tout? C'est Everdred, c'est moi le patron ici. En sautant du toit, je me suis cassé le petit doigt. Le doigt? Tu fais battre, rien changera cela. Tu sais, t'es plutôt robuste. Je sais ce que t'es venu chercher, alors parlons de cette peau-là. Hein? C'est toi qui l'as? Elle est partie vers un refuge secret que tu trouveras dans la vallée du dernier repos. Un homme rondelet et un autre insolite l'ont kidnappé. Hein? Ils ont dit qu'elle subirait une espèce de sacrifice. Wow! Ces plats sont vachement étranges. Tu sais, elle n'est peut-être plus de ce monde. Ce serait mieux de te presser. Si Paula est secourue, n'hésite pas à me rendre visite. Surtout, n'oublie pas. Pourquoi j'ai un ours qui me suit? C'est-tu l'ours que j'ai pris? Allô? Si Paula est... Ok. C'est un parrain du crime, cette affaire-là? Fait que, il faudrait que j'aille à droite, c'est ça? Aïe aïe. Ça vous dit de faire... de découvrir des nouvelles choses et de faire preuve de créativité. Et n'ayez pas peur, j'ai plein de bidules. Non, monsieur, qu'est-ce que ce sera? Bon, ça peut être usé. Gris-gris, brassette de cuivre. Wow! Est-ce que mon père a autant d'argent? Faudrait que je trouve un téléphone. Essayez de trouver un téléphone. Je vais revenir ici. Je pense que je vais y acheter sa pancarte. Juste pour le fun. Ils doivent pas vendre ça pour rien. Un instant, je peux te donner une astuce pour pas cher. 50? Mais vous êtes malade? Soit tu as vraiment confiance en toi, soit sortir. 50 est trop de te demander. Oui. Tu sais que tu n'es pas malade comme gamin. Reviens dès que tu as besoin d'un conseil. Je ne bougerai pas d'ici de toute façon. Pourquoi t'as un kiosque à l'intérieur de ta maison?
Hello? Mac Pizza, nous ne vendons rien sur place, nous livrons seulement. Prenez donc notre numéro, comme ça vous pourrez commander. Ah oui! Il y a de la pizza, c'est Mac Pizza, voici notre numéro. C'est ok? Oh, ça me fait un nouveau numéro en plus de celui de mon père, c'est ça que je comprends? Ça fait des milliers de fois, je te le dis. Scrunch, scrunch, scrunch! Ne rejoindrai pas le groupe Régieux Ravi BA. Scrunch, 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 scrunch. Si tu pousses le bouchon trop loin, je bombarderai avec des cacahuètes, scrunch, scrunch. Ça fait des... Ok. Y'a pas personne qui a un téléphone dans sa maison. Honnêtement. Ah! Chien. Encore ces chiens-là. J'ai vu un type louche suivre pas là. Il m'a donné la chair de poule. M'aide pas. Malgré votre jeune âge, vous devez déjà bien voyager. Je pense que vous pourriez vous trouver quelques points communs avec cette fille pas là. Arrêtez d'en parler. Je l'ai trouvé. En fait, non, je l'ai pas trouvé, mais bon. Oh, un téléphone. C'est un téléphone? C'est un téléphone. Right? Oui, combiné. Papa. Papa? Hein, c'est ton père. J'ai déposé 1769 sur ton compte. Tu dois avoir 1700. Wow. Quels sont les points nécessaires pour atteindre le prochain niveau? Beaucoup. Je crois que ton cher vieux père va bientôt faire un roupillon aussi. J'ai acheté tes progrès. Bonne nuit. Continue. Non, continue, continue. Donne à fond, comme ta mère. Je pense que c'est... Non, je vais retirer de l'argent. Ah. Ok, il faut que j'aille au guichet, c'est vrai. Depuis quand je peux appeler ma mère? Toi, Ness, tu téléphones plutôt que je ne l'aurais cru. Tu vois bien à la maison. Ah oui, Tracy a commencé à travailler à mi-temps. C'est pas ma jeune sœur. Pour Escargot Express. Je vais te la passer. Et appelle-moi quand tu pourras. Oh, t'es pas sûr d'en avoir de temps? Je te passe Tracy. Bonjour, ici Escargot Express. Oh, c'est toi, Ness, mon grand frère. C'est moi, Tracy. Je travaille pour Escargot Express maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je sais pas. Tu veux que l'on te garde quelques trucs? Ah, ok. Ok, ok, ok. C'est comme mon coffre, dans le fond. Ok, il parle dessus. Non, je parle à personne. Je... Oui, ça, c'est un distributeur. Veuillez entrer votre choix. Retrait. Et entrer le montant. Tout. Puis on va aller magasiner. Ça serait le temps, je crois. Monnaie. Ouais, de la monnaie. Escargot Express, wow! Frais de port s'élevant à 18 pièces. Vous avez de quoi payer, n'est-ce pas? Non. Oh, je vois. Eh bien, plus tard. What the? Laisse-moi avec mes millions d'objets. Correct, on va dire. Tu sais quoi? Oui, donne-moi ta pancarte. Vas-y. Je ne peux rien pour vous si votre sac est déjà prêt. Qui veut acheter des hamburgers? Est-ce que tu veux m'acheter des hamburgers? Des œufs frais, ils sont vraiment nourrissants. Ils sont beaux, pas vrai? Vous en voulez un? Non. Vous deviendrez pas grand et fort sans manger d'œufs, c'est impossible. Vous en voulez un? Regardez comme il est beau. Non! Bien! Et pas vous plaindre si vous restez chétif comme vous l'êtes. Si. J'aime bien ça, m'asseoir et regarder mes poteries. J'aime mes pots, mais ce que je voudrais vraiment, c'est ce panneau à vendre. Pourrais-je le voler? Quoi? Wow. T'es en demande avec ton panneau, je serais mieux de le prendre. Je vole dessus, mais à mon humble avis, ça ne fait qu'y ajouter un petit plus pour le goût. Wesh! C'est ça, ça. Wesh! Non! Non! Comment que ça marche? Bonjour! Auriez-vous quelques assaisonnements? Ils sont à tomber. Parce que vous mangez, ils se vendent. Blablabla. Ben, j'ai vraiment joué. Qu'il s'agisse de sauce ou d'autre chose. Et vous choisir. Ok. Je peux rien vendre. Bon. Ok. Oui! Si vous voulez. Vendre quelque chose, utilisez ce panneau à vendre et la clientèle affluera. Oh, c'est comme ça que ça marche. Je vais essayer, voir. Inventaire. Panneau à vendre. Utilisez. Utilisez le panneau à vendre. Un acheteur est en route. Wow! J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Je suis épuisé. Qu'avez-vous à vendre? Tu sais même pas. Un hamburger, t'es. T'en donne 7 pièces. Qu'est-ce que tu en penses? Non. Dommage. Il faut autre chose à vendre. Un autre hamburger? Vraiment? Ok, d'abord. Je me suis vraiment déplacé pour rien.
Ouais, je vais essayer de, d'acheter ton bidule qui me faisait vraiment briller beaucoup, là, celui-là. T'as, bah ouais. 349. Ouais. Oui. La défense de... Oh, nice. Non. Ça s'en va à vous, monsieur. Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va à droite. Je pense à ça, j'ai été voir Clément. Mais pas Claude, celui avec la pomme. J'ai encore été voir, là. Wow, ça a l'air d'une dompe. Mais... On dit que... Même si ça a l'air toute lettre, c'est peut-être ça qui veut nous faire croire que si je... Attendez, oups, j'ai quelque peu négligé mes corvées. Ouais, je sais, je vis dans une porcherie. Enfin bref, c'est moi Claude. Un bail que je suis... Mais je me suis pas lavé, alors c'est possible que je sente un peu fort. Wesh! D'ailleurs, je suis mort de faim. T'aurais pas de la bouffe sur toi, par hasard? J'ai plein d'hamburgers. Peux-tu me donner? Hamburger? Si, t'as l'air très gentil. Un, je me demande si tu ne voudrais pas investir un peu d'argent dans mes inventions. Tu sais quoi? L'autre est toute clean, toute correcte. Mais c'est ça que je veux dire. Toi, c'est totalement le contraire. C'est lettre. T'inspires pas la confiance, mais je pense que c'est ça que le jeu veut faire croire. Oui! Super, trop cool, génial. Oh, déjà, je veux dire, merci. J'aurais vraiment besoin de 200 piastres. Ok. Merci. Je te laisserai pas tomber. Qu'est-ce que t'as, souris? Allô, souris? C'est une souris. On m'a pas encore donné de nom. C'était bien occupé de mon maître. En contrepartie, je veux t'offrir ceci. Prends-le, c'est de bon cœur. J'ai bien fait, finalement. Et ça obtient le combiné. Oh, je dois être sur ton passage. Zip. Le combiné. Es-tu en train de me dire que j'aurais plus besoin de fouiller pour trouver un téléphone? C'est bien ça qu'on dit ici? Que les ne reçois que les appels, vous ne pouvez pas appeler avec. C'est pas de même que ça marche. Ça marche des deux sens. Évidemment, fallait pas que ça soit facile, hein? Bon. Ok, définitivement, là, on va aller à droite. Allô? Allô? On entend dire qu'une fille du nom de Paula a été kidnappée pendant qu'elle donnait un coup de main à l'école Polestar. Ouais. J'ai fini par le savoir par moi-même. Ah, encore des champignons. C'est quoi? Viens-t'en. Viens-t'en, bring it up. C'est vraiment une zone avec plein de champignons. Il y a quelque chose qui s'est passé pendant le combat. L'ours m'a comme protégé de quelque chose. Ça disait, Nounours, il n'y est pas sensible. Oh. C'est quoi ça? Of course, les deux en même temps. Why not? Rencontrer une plante vraiment weird. Graine mobile. Mais peut-être que je vais attaquer la manette en premier, juste pour être sûr qu'il me transforme pas en champignon. Ow! Sur le nounours? Oh non! Mon pauvre nounours! Tête! Oh non! Oh non! C'est le nounours qui prend tout! Wow! Il n'a pas de pépé! Ok, ils peuvent me voler mes pépés! Est-ce que je peux? Bon, enfin. Oh non. Mon ours tiendra pas longtemps. La graine ne germe pas. Aïe. La graine ne germe pas. Bon, alors de moins, j'imagine que toi tu auras appelé une autre. Oh non, ils m'ont mis un champignon sur la tête. Non, c'est encore là. Mais non, ça sert à rien que tu fasses ça. Bon, non, ça me protège, on va dire. Raison X. Ouch! Attends, non, c'est plus là? Non, il est encore là. Non, arrête de bouger. Tout un con. Tabarouette, j'ai eu de l'expérience. Oh non. Oh non.
pas ça. Pas un champignon. Et voilà, ça y est. Ah! Bon, c'est comment je fais pour aller à droite. C'est la flèche du haut. Help! Help! Allô? Là, je cherche des... J'en ai un sur la tête! Oui! Oui! Prends-le! Il est à toi. Super contente de l'avoir. Oh my god. Oh my god. Et... 2 pouces encore. Le combat était long. Allô, petite taupe, je ne suis pas ton ennemi, je suis qu'une simple taupe, je sais. Vous savez vraiment survivre au combat? Oui. Vous l'aurez peut-être mal remarqué, mais lorsque vous recevez des dégâts mortels en combat, vous pouvez y survivre en conservant un point de vie. Si cela vous est déjà arrivé, c'est grâce à votre courage. Oh! Votre survie dépend de votre courage, mais il vous permet aussi de faire des attaques puissantes qui font badaboum, c'est vrai. Ça m'est arrivé une couple de fois. Vous aurez peut-être aussi remarqué que les points de dégâts mettent du temps à vous atteindre. C'est grâce à votre barre de vie. Et, oups, je voulais dire votre force vitale. Même si les ennemis... Arrête de briser le quatrième mur. Infliger des dégâts mortels, mais que vous parvenez à les vaincre, alors vous survivrez. D'accord. On entend de l'eau, c'est bien. C'est quoi ce top bizarre? Hey! Oh! Il n'y a rien ici, j'ai cru remarquer. Traversez le pont pour rejoindre le village Ravibea. Oups. Bon, y a-t-il une autre façon d'y aller? Pourquoi il aurait détruit le pont? Y a plus de pont, y a-t-il un autre chemin? C'est ça, un crayon en pierre? Rangement est de façon tout à fait arbitraire, une statue de phare en forme de crayon bloque le paysage. Tout à fait de façon arbitraire. Est-ce que c'est encore une situation où je dois reculer puis faire... Je ne sais pas quoi faire. Parce que je ne sais pas quoi faire. C'est normal? Faut que je repasse par le... Faut que je retourne en arrière! Je ne traîne vraiment pas par la main dans ce jeu-là. What? Allô, c'est mon téléphone que je viens d'avoir? Oh, il fallait que j'appuie. Salut, c'est Claude. Je viens tout juste de terminer ma dernière invention. Génial, mais inutile de le dire. Passe me voir dès que tu le peux. Mon invention est juste énorme. À bientôt. Plaf. Tut-tut. J'ai financé ton invention, mais je suis pas trop sûr de savoir c'est quoi. Ouais! Reviens ici, reviens. C'est quoi ça fait déjà? Papillon magique rend Nest détendu. Je suis détendu maintenant. Et je suis heureux. Hey! Qu'est-ce que tu fais en dehors de ta maison? Tu es à la recherche de celui que tout le monde qualifie de génie, Claude? Tant que véritable génie, je peux te dire qu'il te cherche aussi. Il est au parc Rapine. C'est bizarre. Pourquoi il serait parti? Ok. On va voir le parc Rapine. Ouh, pourquoi j'ai pris le chemin le plus long? Parc Rapine. À quoi qu'il ressemblait déjà ce gars-là? Il avait une apparence. Ah, le voilà. C'est particulier. Allô? Je suis complètement vanné. J'ai travaillé toute la nuit. La nuit? On est la même journée. Mais l'efface crayon est enfin prêt. L'efface crayon. Oh! Eh bien, dis donc. J'ai un crayon effacé. Fait qu'il fallait que je fasse ça. Fait que le monde aurait tourné pendant des heures, aurait financé les deux, puis il y en a un des deux qui aurait donné de quoi pour pouvoir avancer éventuellement. Ils nous prennent pas par la main partout. Extrêmement efficace, alors évite de t'en servir dans un magasin de fourniture de bureau. Voilà, il est à toi maintenant. Flûte, ça n'entre pas dans ton... Il y a des trucs à vendre. Qui veut un croissant? Ça donne combien un croissant? 60. Et un burger, c'est... 50. Ok, on garde le... On garde le hamburger 100% bœuf. Panneau à vendre.
c'est le même gars. Hamburger. 7 pièces pour un hamburger. Grâce à vous, je me suis vraiment déplacé pour rien. À chaque fois. Voilà, est à toi maintenant. Yeah, un efface crayon. Si j'invente d'autres choses aussi géniales, je te passerai un coup de fil. Good. Fait que là, il faut que je fasse tout le chemin jusqu'à l'autre bout pour effacer le crayon. Yeah, je vous reviens. Un ovni! Ah, je me suis fait attaquer dans le dos en plus. Toutes les champignons m'ont volé de mes attaques psy. Petit ovni. Ouch. Hein, petit ovni. Ouch. Et détruit, carrément. Tiens, détruit, yeah. Good. Retournons au crayon cette fois. Je suis comme rendu enrhumé, puis je sais pas trop pourquoi. De qui tu parles? Efface crayon. Ça marche-tu juste une fois? La statue de fer en forme de crayon s'efface. Étrangement. C'est très étrange. Pourquoi je flash rouge? L'écran flash rouge sans aucune raison. Ok, je vais pas aller par là. Pourquoi mon écran flash rouge? C'est-tu juste moi? Non, c'est l'enregistrement aussi, c'est bizarre. Ah, je viens de me rappeler, c'est pas un défaut du jeu, c'est parce que j'ai le nez qui coule. Ça doit être comme une espèce de poison. Je suis attaqué par un arbre avec des yeux. Ah! Éternue, je perds 4 points de vie. Ah, c'est le choc mental. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est pas sensible. Ok, good. Ça doit être le bracelet que j'ai acheté. Ce qui est vraiment utile jusqu'à date. Arrête! Sans flamme! Wow, une chance, j'avais assez de courage. Il me reste un point de vie. C'est parce que là, je vais mourir. Je peux manger un croissant? Good, mais j'ai encore le nez qui coule. Aïe, aïe. Arrête de flasher écran. C'est vraiment fatigant. Je suis pas si insensible que ça, finalement. Oh boy, il y a de la pousse ici. Il y a comme ça qu'ils les appellent. Ah, des soucoupes volantes, des pousses. Il y a un gris-gris. Ça n'en a pas. Un autre. Deuxième que j'ai... Ah, il y a un papillon. Qu'est-ce que... Bon, je m'approcherai pas. Je suis un peu... laissé. Oh, good. Je demande qui a rendu le pont infranchissable et surtout pourquoi on a fait ça. Zut. Papillon magique rend nest détendu. Mais je flash encore rouge. Où dois-je aller? Il y a un pont ici. On va se grouiller à se rendre à la ville en évitant tous les ennemis parce que... J'ai peur de mourir. Ah non! Ok, il y a un buisson ici. Non? Il a disparu. Good. Good, good, good. Danger. L'état de santé Ness est critique. Sans traitement, il va s'effondrer. Soyez prudent. For real. Ok, je vais me soigner. Parce que là... C'est bébête là qui a... Ah! Oh! C'était ça! Il n'y est pas sensible. Fallait que j'utilise soin pour enlever le... Oh, j'ai perdu tant d'énergie pour rien. Ah, voici, si j'aurais utilisé cette magie-là, ce psy-là avant. Ness ouvre le paquet. Il y a un casque de scie à l'intérieur. Il est déjà trop. Ok, y a-t-il un gars qui veut venir acheter ici, peu importe. J'ai déjà un gris-gris. On regarde au cas où, mais. Non, non! Bon, ok, oui.
Un casque, oui. Je m'en en pas. Est-ce que je peux l'équiper? Ok, excuse-moi. Cette casquette-là depuis un bon moment. Ça change radicalement ma défense. Okay, good. C'est quoi ce robot-là? Point de vie. Les points de vie, enfin. Robot mixeur. Badaboum! Hein? Attraper froid. Ah non, pas encore ça. Non. Mais on lance-toi un bouclier. Moi, je vais essayer de me soigner. Parce que j'ai pas envie de perdre plus d'énergie là-dessus. Ça, cette nuit-là, c'est les espèces de petits losanges guéris qui se promènent un petit peu partout. Oh my god, encore? Arrête! Soin! Arrête de me donner le rhume! Ah! Ok, bon, je l'ai fini parce que là. Est-ce qu'il a dit sa jeunesse? Good. Ah, j'ai le nez qui coule. Ness ouvre le paquet, il y a une capsule chance à l'intérieur. Ah! De ce que ça dit, ça augmente ma chance. Je sais pas pourquoi. Le jeu me fait un peu penser à un jeu RPG Maker 95 fait par Don Miguel. C'était Migaz versus Satan. Très vieux jeu, mais le style est pareil, donc sûrement que le gars s'est inspiré de ce jeu-là. Là, je devrais arriver au bout, j'ai cru voir des maisons. Oh boy. Il faut que j'entre là. Peut-être. Encore des champignons, je te cache. Ah, des serpents, mon dieu, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Comment que je peux les tuer d'une shot demain? Ouh, passer tout droit. Ok. Quand je suis transparent, je peux faire ça, c'est ça. Wow, la musique est bizarre ici. Je ne suis pas ton ennemi, je suis qu'une banale tourte des plaines. Tu as gagné en vigueur depuis que tu as quitté Honnête. Tu as déjà eu le message victoire qui s'affiche lorsque tu rencontres un ennemi plus faible que toi? Oui! Si c'est le cas, c'est la preuve indéniable que tu t'es endurci. Tu n'as pas envie de perdre ton temps en combattant le menu fretin, n'est-ce pas? Effectivement. C'est pour ça que ça fait ça. Bienvenue au village Ravi Bea. La musique est weird. Un jour, Monsieur Carpenter a reçu la parole divine et depuis, ses mots sont bénis. Oh boy. Ok, il y a un culte ici. Bon, ben ça va aller au prochain épisode. C'est weird. Merci d'avoir été là. Faites un like, abonnez-vous, tout le tralala, puis on se voit pour un prochain épisode. Oh my god, ce jeu-là est weird. Bye bye!